Mais qui es-tu? Tu m'as fait une de ces trouilles. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon refuge. Personne me connaît ici, je m'appelle Églantine. Et toi, t'es qui? Bah moi, c'est Théodule. Théodule? Enchantée, Théodule. Enchantée. Avant, je me cachais derrière le blason qui était incrusté derrière le mur du presbytère. Enfin, sur le mur du presbytère, mais ils l'ont enlevé, alors... Tu sais que cet écusson provient de l'ancienne église romane, l'ancêtre de cette église. On la voit bien sur l'ancien cadastre. Elle se trouvait... là, en contrebas. Le blason, c'était la clé de voûte de cet édifice de pierre. Oh là là, j'ai adoré me cacher là-bas pendant des siècles. Des siècles? Ah oui, des siècles. On dirait pas, hein? Mais ça veut dire que... Ça veut dire que je connais toute l'histoire de ton village, Théodule. Mais t'imagines même pas des histoires qui remontent à l'époque où ça... Saint-Malo, ça existait même pas. Mais pourquoi un blason? Il y avait des seigneurs ici. Suis-moi, Théodule. Selon les chroniques paroissiales, les armoiries de la voûte de cette ancienne église étaient bien celles de Gabriel du Puy du Fou, auquel était rattaché alors Saint-Malo. À dextre, de gueule à trois mâcles d'argent. La partie senestre porte une face et trois trèfles. Lors de la démolition de l'ancienne église, la pierre taillée a été posée au-dessus du linteau de la porte de la cure, construite fin XVIIe siècle, elle-même détruite trois siècles plus tard. La pierre a rejoint le mur du presbytère en 1968. À l'intérieur de l'ancienne église, seul le chœur et un sanctuaire à la Vierge sont enduits de chaux et de sable. Tout le reste est en pierre. À l'extérieur, une tour carrée connue sous le nom de clocher bénédictin s'élève à 3 mètres au-dessus de l'église, dont on situe la construction entre 1568 et 1643. Tu vois, une macle, c'est ça, du quartz. Ça, c'est caractéristique d'un sol granitique. J'ai trouvé dans le coteau de la ferme du Cornu. Bon, elle a disparu aujourd'hui, cette ferme. Tu veux le prendre ? Avant que Saint-Malo ne soit connu sous le nom de Saint-Malo, voici la pierre la plus ancienne que je possède. À la préhistoire, des petits hommes nomades avaient dressé leur camp sur les hauteurs de Crépeau. C'est un labour qui a exhumé ce silex taillé. Tu sais, c'est pas un hasard si tout près d'ici, à Livet, on a retrouvé les bases d'un enclos gaulois. Regarde cette belle poterie. Elle a été découverte en 2007. Elle atteste que le site était habité dès le 1er siècle avant notre ère. Il y a même eu quelques morceaux de céramique qui ont été retrouvés. Ils attestent que le site était occupé dès l'âge du bronze. T'imagines, Théodule? Et je vois bien que tu me crois pas, là, Théodule. Attends. J'avais pris un selfie, là, sur ma tablette. Oh punaise, c'est lourd. Voilà. Et tu vois, ça c'est moi là. Et ça c'est Robert. Franchement, un chic type. Hyper sympa ce Robert. Voilà, vraiment, rien à dire. Hyper serviable et tout. Tu me crois? Bah oui. De l'époque des invasions barbares, on a découvert un souterrain funéraire dont on m'a remis le plan. C'est un cheval qui, en labourant, s'est enfoncé dans le sol au petit Monty. Dans une tombe mérovingienne de l'ancien cimetière, on a retrouvé une rondelle d'ardoise qui porte sur une de ses faces une croix à deux traverses et un mot commençant par un M, suivi de lettres écrasées et illisibles. Saint-Malo-du-Bois existait-il alors? Telle est la question.
Moi aussi, Théodule, j'ai longtemps cru que mon village existait depuis la nuit des temps. Mais en réalité, il n'existe aucune mention avant que Malo, ou Maclou, venant du Pays de Galles, évêque d'Alette près de Saint-Malo en Bretagne, ne pose pied ici, au cours d'une mission qu'il conduira jusqu'à Saintes. Nous sommes à l'époque de Charlemagne, empereur et roi des Francs. Le patron secondaire de la paroisse est Saint-Hubert, auquel était voué jadis un culte qui visait à protéger de la rage. On disait « Aide-moi Saint-Hubert, aide-moi Saint-Hubert ». Il existe encore quelques associations qui portent son nom. Le quartier des artisans semble indiquer qu'en surplomb se trouvait le château de la Garenne, juché sur un éperon dominant les vallées qui entourent Saint-Malo. Des aveux de la baronnie de Mortagne, datés du 15 mars 1414, mentionnent Aimé du Perché, écuyer, seigneur de Saint-Malo, ayant son logis au lieu dit la Garenne. Du Moyen Âge provient le château anglais du Puy-Chauvet, où il y a quelques années seulement, on pouvait encore voir les murs de la prison seigneuriale et l'emplacement de la chapelle. On présume que la forteresse de la Bretonnière Boussiron, naturellement protégée à flanc de coteau, est aussi l'œuvre des Anglais. Quelques beaux vestiges de cet endroit perdurent. C'est l'édifice le plus ancien dont nous gardons la trace sur la commune. On dit que sous les terres du jardin, il y a une cave voûtée en pierre comme celle du logis de l'impasse de la Fontaine. C'est aussi dans le bourg au Généton qu'on a retrouvé ce linteau daté de 1771, juste avant la Révolution. Ah mais tiens, Aimé du Perché, c'est vrai, on avait fait un selfie à l'époque. Ah bah oui, bah tu vois, je l'ai connu, il était haut comme trois pommes. Après, il a bien grandi, hein, dis donc. Ouais, ouais. À l'écart des jardins se trouve le rocher de Sainte-Hélène, pour qui on porte quelques vertus pour les âmes seules. Et tu sais, Théodule, il faut toujours une cachette pour abriter les histoires d'amour. Bah oui, il n'y a pas que derrière l'église. Hein. Saint-Malo du Bois, emmené par son capitaine de paroisse Pierre Grolot, n'échappe pas à la tourmente contre-révolutionnaire de 1793. Marty de la Ménie sera massacré à l'automne au pied d'une croix que l'on peut encore apercevoir. Le curé Baudry, prêtre de la paroisse, s'était arrangé une petite cachette sous un tas de pierres, hérissée de broussailles, au beau milieu d'un champ de la métairie de la Saint-Frère, appelé le champ du Buisson. Dans ce réduit étroit et malsain, on avait placé un bahut oblong, sorte de cercueil, où il se couchait pour dormir chaque soir. L'ouche du massacre, hors du bourg, sur le chemin de Saint-Laurent, serait le lieu d'exécution de récalcitrants, dénoncé par Madame Arsan, qui était de mèche avec les Républicains. Son neveu, Constant Arsan, voulant racheter la conduite de sa tante, léguera une partie de ses biens à la commune. La cinquième colonne infernale, Thureau, pillera et tuera des habitants de Saint-Malo-du-Bois le 1er février 1794, avant de se diriger vers la Vairie, puis la Gaubretière. La vieille église, en partie visée, résistera néanmoins à cette barbarie. Aux emplacements de la cour et du bas-bourg,
On ne retrouve désormais aucune trace de bâtisse d'avant la Révolution. Durant cette période trouble, je me réfugiais du côté de Tempire, abrité sous l'énorme bloc de granit probablement posé là, il y a quelques millions d'années, dans le prolongement de la poussée du massif armoricain. Au XVIIIe, vivait ici un meunier qui allait de son moulin, alimenté par le ruisseau du Blanc, au four à pain qui était derrière la caverne. La Révolution française de 1789 officialisera la création de la commune. Quelques années seront nécessaires à sa mise en place. Entre maire et curé, on se dispute la signature des actes. Joseph Arsan devient le premier maire en 1800. Saint-Malo-du-Bois est alors rattaché à l'arrondissement de Montaigu avant de rejoindre celui de La Roche-sur-Yon en 1810. J'ignore qui en a dessiné les contours. Sa plume a suivi ruisseaux et rivières, de l'ouest à l'est, en passant par le sud. Au nord, le trait est un peu plus arbitraire et laisse apparaître un oiseau qui prend son envol. En 1863 est décidée la construction de l'église actuelle, à l'emplacement d'un verger qui se trouve à quelques mètres de l'ancienne église. Tu vois, Théodule, avant ici, il y avait des pommiers, des poiriers, des pruniers, des noisetiers même peut-être. Les travaux débutent mais s'arrêtent vite, faute de moyens. La générosité de Constant Arsan permettra la reprise des travaux en 1889. Elle sera consacrée en grande pompe en 1899 par l'évêque Cato. Cato, ça s'invente pas, hein ? Je me souviens d'Eugène Augustin Baron. La quarantaine naissante, le cœur gros ce dimanche matin de septembre 1881, à l'idée de quitter sa famille et ses proches. Ne voyant pas son avenir en tant que tisserand ou laboureur sur Saint-Malo-du-Bois, il répond à l'appel des agents de colonisation qui recrutent pour le Canada. Il se verra offrir des terres autour du lac Mégantic, au sud du Québec. Je m'appelle Isabelle Baron, je suis l'arrière-petite-fille d'Eugène Baron. En 1881, il a pris la décision d'immigrer au Canada avec femme et enfants. Il a pris cette décision-là, selon toute vraisemblance, pour obtenir une vie meilleure. Dès leur arrivée à Québec, ils se sont dirigés vers la région de Lac-Mégantic. Mélanie est décédée peu de temps après leur arrivée. Par contre, mes enfants portent le nom composé, le mien et celui de leur père, donc peut-être qu'ils décideront de poursuivre la lignée des Barons et de donner ce nom de famille-là à leurs propres enfants, sait-on jamais. Il a retrouvé au Québec une certaine forme d'apaisement puisque la région ici, ils sont très boisés, on a beaucoup de beaux paysages, des beaux lacs. On peut présumer qu'il avait la nostalgie de son pays. Imagine-toi, Théodule, qu'à cette époque, aucun bruit de moteur ne vient encore troubler la quiétude du bourg. On entend le clic-clac de la navette du tisserand, le chant matinal du coq, le cri du goré qu'on vient de tuer, le sifflet du forgeron derrière l'église, l'aboiement d'un chien hargneux, le cri des enfants qui jouent aux quilles ou aux cerceaux, des palabres de bonnes femmes devant leur maison, ou encore des jurons qui proviennent du café de Xavier. Jurons qui couvrent à peine le chant mélodieux et fluet de la petite bohémienne. Le village s'agitait les jours de marché sur la place de la cour ou au pied de cette église. Gris de poussière ou noir de boue, le marchand ambulant ou le cherche-pain s'y retrouvait après avoir sollicité l'hospitalité d'un paysan qui avait mis le couvert sur le banc de pierre devant la maison et le gîte sur le foin de la grange.
le marchand de peau de lapin, le rémouleur, sans souci la violette qui vendait ses bouchons de vaisselle, le bouteur de lâchers qui finiront sur un hameçon de fortune dans le tumulte berçant des eaux du Blanc. Moi j'aimais bien le petit François. On ne savait pas d'où il venait, ni où il allait. Petit, avec des yeux de fouine, un large sourire, moins une dent, le chef couvert d'un béret bleu aux pompons rouges, les jambes enfermées dans un large pantalon à la zouave, des guêtres d'un blanc douteux et une grande blouse bleue complétaient son habillement. Lui vendait du fil de fer pour rafistoler les sabots. Pas une journée ne se terminait sans que sous l'effet de l'eau de vie et du tabac à priser, il ne s'écharde avec sa compagne, Louise. Une drôle d'union que l'église avait refusé de bénir. Ah tiens, j'avais fait un selfie avec lui. Regarde-moi cette bouille. Il était tellement attachant, ce François. La vie d'alors était plutôt rustique, paisible. Mais le Babour sera le théâtre d'un horrible crime au début du siècle dernier. La veuve avait refusé les avances d'un malotru qui ne reconnaîtra son geste qu'à la veille de mourir. Quelques années plus tard, le 1er août 1914, le tocsin sonne pour prévenir la mobilisation. Chers parents, j'ai bien reçu votre colis contenant une potée de lard, une boîte de pâté, une boîte de sardines et quelques noix. Depuis quelques jours, j'ai dû vivre de biscuits trouvés dans la boue de la tranchée et dans quelques sacs abandonnés. Mon estomac est fatigué. Il y avait aussi deux paquets de Maryland, que j'estime beaucoup parce qu'ici, la cigarette est à peu près mon unique distraction. Et un briquet, qui a dû vous coûter cher parce qu'il est à la loi. Ce n'est pas la peine de donner de l'argent à la République qui nous fait tuer. Chers parents, tout va bien. Vous serez sans doute quelques jours sans avoir de mes nouvelles. Ne vous en préoccupez pas, je suis nommé brancardier. Priez beaucoup pour nous. Je vous embrasse tous. Le 137e régiment d'infanterie de Fontenay fait route vers Verdun en ce mois de juin 1916. Après le terrible bombardement du 11 juin, l'abbé Clément Menanteau de Saint-Malo ne cessa toute la nuit, au milieu des plus grands périls et au prix d'extrême fatigue, d'accomplir sa tâche avec un dévouement sans égal. Brisé, fatigué, il vint prendre un peu de repos dans un coin de la tranchée où j'étais réfugié, raconte son compagnon de combat. Blottis les uns contre les autres, nous supportâmes le nouveau violent bombardement qui précède l'attaque. L'abbé donna à chacun de nous une petite médaille de Lourdes. C'est par bond, de trou en trou, qu'avec beaucoup de peine nous traversions l'espace qui nous séparait de la ligne allemande. En franchissant le dernier bond, je perdis de vue Clément Menanteau. Le XXe siècle sera un mélange de périodes tragiques et d'enchantement, mais aussi de progrès avec l'avènement de l'électricité et le service d'eau à domicile. Je rigole toujours à l'idée de voir cette machine à laver promener en brouette de maison en maison, ou encore cette deux chevaux achetée à quatre ménages pour en disposer une semaine par mois. Le progrès annoncé ne retient plus près de leurs clochers ou sur leurs terres quelques malouins en quête d'aventures professionnelles vers les villes, ou d'autres appelés auprès des moins favorisés, loin d'ici. Loin de se recroqueviller, Saint-Malo s'ouvre sur le monde. Les saisons et les fêtes rythment la vie du village.
L'odeur des fleurs que l'on cueille au printemps pour orner un reposoir le jour de la fête Dieu ne m'a pas quittée. Comme le souvenir de Kermesse qui, avec Noël, faut bien le dire, représentait le plus beau jour de l'année. Ah, oh, t'aurais dû voir ça, Théodule. D'un rempart végétal, ce joli bourg perché dominant Houches et vallées. Vallée de la Foire, vallée de Tempire, vallée de Poupée, où se faufilent les rivières argentées polissant les chirons de granit. La nature fredonne la douce mélodie d'une cascade enchantée. Tu vois, Théodule, je voudrais pas te décevoir, mais Saint-Malo, c'est un village du bocage. Modeste, voire banal, sans grandes traces du passé ni de vestiges flamboyants. N'empêche que c'est le plus beau des villages, parce que c'est celui de ton enfance, celui que tu as respiré en premier, celui où tu as côtoyé ceux qui, pour la vie, resteront tes amis, celui où t'as ri, t'as chanté, t'as pleuré aussi, parfois. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village, n'est-ce pas? L'âme de ton village est forgée de 1000 autres secrets enfermés dans les cœurs, son canevas brodé de 1600 caprices. Il faut pas croire pour autant que le crottin fait par les chevaux d'ici rend jaloux tout le monde, comme le chant de Brassens. Théâtre des défilés joyeux ou cortèges endeuillés, cette place de l'église, lieu de ralliement, est le reflet de la vie d'ici. Tu sais, nous ne sommes que des étoiles filantes. Les frontières affectives se moquent des limites administratives. L'essentiel vient du cœur, dit le petit prince. Le cœur de ton village qui se trouve ici, sur cette place. Et c'est à nous, mal loin de toujours, ou depuis quelques jours, de le faire palpiter. Tant que la saveur du plaisir collectif prendra le pas sur les considérations individuelles, tant que les écuyers des temps modernes mêleront leurs engagements aux facéties des troubadours, l'âme de Saint-Malo durera.